Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va ici? Salut, bon Pascal, mais tu filmais un petit ampli là? Ouais, une petite nouveauté qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Un Vox? Ouais, un Vox AC10 en Royal Blue. Non, il est beau. Il est beau, hein? Il est beau, puis ça, on verra ça tout à l'heure. Bon, alors la vidéo est plus axée sur notre Vox aujourd'hui. Bah ouais, on va montrer un peu. Qu'est-ce que c'est ce petit Vox sympathique là? Et nous, comme on est Monsieur Plus, hein, ouais. C'est toujours la même chose. Ben, on a dit on va brancher des trucs dedans, ben on va brancher ça par exemple. Je vois une tête, ouais. Je descends. Voilà. Ouais, ouais, tu vois. Qu'est-ce ouais. que c'est ça? On va brancher ça pour voir ce que ça donne. Hein. Ah ouais, dis donc. Oui. T'as pas l'air de trop t'emmerder toi? Non, puis voilà, il y a marqué ça derrière toi. Hein. Voilà, quoi. D'accord. Bon. Bon. Ok. Bon. Ouais, et puis bah du coup ça comme c'est une strat on s'est dit bah alors, on va prendre l'autre côté. Il y a un côté Télécaster évidemment hein. Et puis on pouvait pas descendre en dessous retourner ça et puis c'est pareil voilà, hein. On est d'accord, on est bien sur du Fender Custom Shop. Oui, bon allez, ça c'est dit, vous allez voir est-ce que ça marche. Oui. Mais on s'était dit aussi on va salir un peu le son. Ouais. Puis on a choisi une marque qu'on aime bien ici, c'est Wampler. Wampler avec ça. La Rats Bane. Alors on connaît tous la Rats, hein. Ouais, le Proco. Hein. Mais là c'est la excellent, version Wampler. Pas inintéressant. Mmh. Pas inintéressant du tout. C'est pour ça qu'on va brancher ça au pied. Donc voilà, un AC10, une Wampler, deux Custom Shop et c'est parti. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, j'attaquais très fort tout de suite. Mmh. La Telecaster CS, on en parle tout à l'heure. Mmh. Dans mon Vox. Le Vox AC10. Donc AC10 C1. Et ma Wampler branchée pleine balle. Eh oui, ça qu'on a vu tout à l'heure du coup. La Rats Ban. Mmh. Franchement, celle-là, elle te fait saigner les oreilles. J'adore. J'adore. J'ai des rats, hein, mais de chez Proco. Et là, franchement, c'est une belle découverte, hein, cette petite. On y retournera tout à l'heure. Bon, et l'ampli. Alors, bon, bah, l'ampli, quoi, est-ce que tu, je te dise, magnifique. Hein, tu m'en parles un peu? Bon, eh ben, il s'agit du AC10 C1, ouais. Mais dans une version colorée, monsieur. Rich Blue. Mais il est beau, il est beau. Rich Blue. Et il est très, très et beau. Et donc, tu vois, baf, on va voir. Un gain, un bass, oui. Un treble, une reverb, un volume, oui. Simple. Un on-off. Ouais. Eh ben oui, écoute, oui. Très bonne reverb. J'aime beaucoup le petit reverb qu'il y a dedans. Mm-hmm. Un ampli, on va voir, là, on va essayer avec deux sons. Là, je continue avec ma magnifique Telecaster qui est là, qu'on parlera un petit peu tout à l'heure. Je vais essayer mon son, toi, sur l'ampli. J'ai un petit peu de gain d'ouvert, mais je vous expliquerai pourquoi. Là, je suis avec mon micro d'attaque, hein. Ça mord bien, hein, tu vois. J'adore. Sur mes deux micros. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. T'as vu le truc là? Bon, ça fait beaucoup de la gratte aussi, hein, on est d'accord. Ouais, hein, ouais, sur ouais. XS, on en parlera. Hein. Et mon micro manche. Ah. Est-ce que ça tongue? Bah oui, ça tongue aussi. Ça tongue.
Bon, ça c'est mon ampli. La gratte, la voilà, donc une magnifique... Voilà, magnifique. C'est une 59. 59. Journeyman relique. Bon. Et t'as pas eu un petit, ce petit goût de moelleux, à moitié chocolat, là, quand ouais. T'étais en micro-manche? Parce que c'est une 3 chocolat Sunburst. Voilà. Hein, ça y fait ça? Ouais. Hein, ça y fait ça alors? Ouais. Oh là là. Tu le vois le moelleux là qui passe, hein? Je vais faire une incrustation de moelleux au chocolat. Mes doigts. Hey. N'empêche que là, on a un avion de chasse hein, ici, hein, à la Custom Shop 59, Fender Telecaster. Mmh. Mais le petit, là, derrière, ah ben, il fait son beau, job. Hein. C'est lui qui fait le son. Il est très beau. C'est vintage, c'est beau, c'est Vox, comme on l'aime. La poignée, j'adore. Ah, la poignée crème. C'est tout con, hein. Voilà, avec la petite, la petite grille de ventilation. Très simple dans les réglages, comme tu avais dit. Voilà. Et pourquoi je l'ai chargé un petit peu? Je l'ai mis à 13h au niveau du gain. Parce que tu vas voir. Tu vas voir. Hein. Un truc un petit peu différent quand on va être dessus. Eh bien, tout simplement, tu vois, je baisse un peu mon gain. Oui. Ah, viens avec moi, viens avec moi. Je viens. Regarde, regarde. Là, je suis à 13h sur mon gain. Je vais le mettre à 11h, tu vois. Tu vois le son. Reste dessus. Plus. Moelleux. Il faut pas grand-chose pour que le monsieur tac. Voilà, regarde bien. Alors les deux sont très bien, mais j'aime beaucoup à 13h. Là, j'ai essayé plein de combinaisons. Ouais. Et en fin de compte, là, à 13h, j'ai le mordant. Hey, cet ampli est redoutable. C'est le soft spot. Et là, j'ai rien au pied. Hein. Rien, hein. C'est l'ampli direct. Hein. Mm-hmm. Parce que si j'en mets les Wamplers, ben, ça donne ça. Hein. Sans Wampler. Avec Wampler. Sans Wampler. Avec Wampler. Sans Wampler. Oh, pour, les gars, les filles, les filles. Ça y est, je suis dingue, j'adore. Mon bébé. Et le trio. Télécaster, bon, c'est du pognon tout ça, hein. Oui. Télécaster, ça vaut une somme. Ma petite Wampler, elle est pas si chère que ça, je me rappelle plus du prix. C'est pas énorme. Elle est très très bien placée. 150 balles, je crois, un truc tout comme ça, ça. Hein, dans ces eaux-là. Tout est dans la description. Oui, oui, vous tapez dessus, franchement, ça vaut le coup. Et puis mon petit Vox, lui, qui se balade, allez, 690 balles. Ouais. Bon, 690 balles, tu laisses. Bon, j'ai changé d'arme. Ouais, cette fois-ci, on est passé sur une Strat 64. Oh, mes bébés. On fait du de Fiesta Red. Regarde qu'elle est belle. Ah, ouais. Ça, c'est beau, ça. Magnifique. C'est beau. Regarde, elle est faïencée un petit peu, là. Ouais. Oh, ce bébé. La plaque. Je retourne. Oui, même le manche n'est pas trop attaqué. Non, bah, j'aime bien. Ouais. J'aime bien aussi. Bon, là, on est bien sur ce que je pense, oui. 1,60, un plein balle. Oui. Écoute, je vais essayer... Bah écoute, je découvre, parce que j'essaie une Strat. Dans... Vous allez me dire, ouais, vous auriez pu prendre une Squire. Hein. Oui. Bah oui, mais on aurait pu. Hein. Ou une petite Epiphone. C'est pas ce qui manque. Attends, on va faire un tour du côté des Squire. Oui. Ça marche. Hein. Mon micro intermédiaire. Micro. Oh là 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 là.
Pascal, tu m'achèterais tout pour me faire un cadeau? Hein? Non. Oh là 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 là, mais ça y est, ça m'énerve, je suis énervé. Et si tu fous une rate avec ça, ça fait... Oh ouais, attends. Tchouf. La grosse calotte. Oh. Bon, rate. Ah bah oui, bah rate, regarde ce qu'elle va donner, rate. Bah elle va donner tout. Il a tout défoncé. Avec son petit ampli 10 watts. t'as vu le truc? C'est-à-dire, je sors mon AC10. Pan. Je mets une petite rate derrière. Bon, je mets ma reverb interne. Bon, hey, bon, on a une custom, on la sort, mais si on a autre chose, tiens, puis ça m'énerve. Là. Non, tu vas voir. Tu vois, bouge pas. Hein. Oui. Tu filmes pas, là, vas-y. Tu ne filmes pas? Ouais, donne-moi ce que tu veux. Bien, n'importe quoi. Tiens. M'en fous. Tiens, allez, ça. Ah bah elle est rouge aussi, tiens. Elle est rouge, allez. Allez. Bon, les gars, on est à 350 balles, ça va aller, ça? Hein? Je sais même pas si je suis accordé, et on va regarder ça tout de suite. Hein. Surprise. Je m'accorde un tout petit peu, mais rapide, hein. Voilà, pour rien. Hein. Moi, je vais filmer des customs en attendant. Oh, ouais, bon, je suis accordé, là. Ça y est, je suis accordé, là. Eh, je suis accordé, je remonte mes tonnes et tout, et c'est parti. Bon bah voilà, il y a moins de réponse, ouais. 4000 et 300, il y a une différence énorme. Ouais, mais bon, si je mets mon rap... Elle était pas prévue celle-là, mais elle dépoite un peu quand même. Hein. Bah, voilà, et voilà, hein, 300 balles, on a une foutue pelle, et ben bah, ça marche avec ce qu'on vient de voir là. Hein. Oui. C'est-à-dire que d'un coup, ben, j'ai mon petit AC10 à 600, 680 balles, ma petite pelle à 380 balles, je suis en dessous de 1000 balles, j'ai le son de la mort, ma petite mampleur, allez oui c'est sûr, 160 balles, bon écoutez les 1000 balles les gars, vous êtes pliés, vous avez le tout. Et pan 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 mitrailleuse lourde. Ouais. Que veux-tu que je vous dise? Bien sûr, les bébés. Franchement, voilà, si vous avez... bien sûr, bien, il faut un peu des moyens, etc. Parce qu'on est à... Alors, on va aller dans les 4500 balles hein, sur les guitares Custom Shop. Mais évidemment, quand je vais prendre après ma guitare... Tu vois, c'est le même volume, hein. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Eh bien non, c'est un monde de différence, un monde, tous les bois, les micros, ce que vous voulez. Mais, on voit qu'avec une Squire à 380 balles, eh bien on fait un job terrible aussi. Et j'aurais pris une Squire parce qu'elle était à côté, mais j'aurais pu aller chercher une Epiphone, je ne sais pas, une Ibanez, ce que vous voulez. Bon, Ibanez peut-être un peu moins, ou sinon les jazz. Ouais. Puisque, pareil pour SP, le TD, ça va être un petit peu... c'est trop moderne. Trop fait pour être dans un Vox. Non, le AC-10, il n'est pas fait pour ça. Ouais, c'est ça. Hein, il est fait pour faire du blues, du rock'n'roll, du grunge, enfin, tu vois, du punk. Un peu de punk aussi, peut-être. Ouais, du... Bon, les punks avec une Custom Shop Strat, c'était assez rare. C'est du punk de luxe. Il y a une très belle guitare qui va sortir chez Fender, d'un monsieur qui était guitariste et chanteur des Clash. La petite Strummer, Joe ouais. Strummer. Franchement, ouais. On attend avec impatience. Ouais, voilà, exactement. Hein. Ouais. Donc, on fera une vidéo bien dessus. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, le AC-10, c'est oui. Oui. Le Wampler, c'est oui. Oui. Et toi?
Ben, moi voilà. Je veux dire l'ampli. C'est oui. La Wampler. La Wampler, c'est oui aussi. Bon, elle est là, et maintenant, elle est là, ça se gâte, hein. Ça se gâte, là. Hein? Un ou laquelle? Deux? Ouf. Ah, moi, je suis très télécaster, mais là, mon cœur, on penche vers la petite Fiesta Red. Ah, ouais. Parce qu'elle a tout défoncé. Ouais. Franchement, elle est belle. Elle est belle, elle sonne. C'est très bien. Et puis là, je suis dans ma petite période de strat aussi. Bah, moi, je suis toujours télécaster, tu sais bien. Je suis à mort dedans, machin. Mais là, j'ai pas cette couleur, là. Je prends celle-là. Ouais, d'accord. Bon. De toute façon, j'ai pas de personnalité. Tout ce que tu fais, je le fais après. Donc, voilà, donc. Bon, écoutez, vous votez aussi, hein, allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein, on envoie les t-shirts comme d'hab. Discutez, allez, hein, sur la Wampler, sur les petits AC10, allez, venez les essayer à Nantes, à Bordeaux, etc., sur nos magasins. Ouais, je crois qu'à Bordeaux, ils ont le 15. Ils ont le 15, ouais. Voilà. Ouais, on n'a pas parlé parce qu'il y a le 10 et le 15. Il y a le 10 et le 15. Ouh, erreur, monsieur Vox, ne nous tapez pas. En tout cas, on aime bien votre produit, monsieur Vox. Hein. Si vous pouvez en envoyer un gratuit, c'est pour. C'est pour faire des vidéos. Les vidéos à la maison. Hein, c'est ça. Maison. Merci, monsieur Vox. Franchement, c'est à chaque fois, on peut compter sur vous. En tout cas, 2-0, mais pour moi, il n'y a pas 2-0 parce que ça, c'est des monstres. Et c'est où qu'on s'abonne et qu'on discute avec nous pour faire des vidéos? Eh bien, c'est entre milieu des guitares, je ne crois. Voilà. Tac, juste là. Là. Et puis vous tapez, vous nous envoyez des mails, des petits messages, on adore ça. Voilà. Et on vous répond. Voilà. Et on essaie de faire comme d'habitude, comme on vous dit, de tourner ce que vous demandez. Oh, c'est fini. Bon. En tout cas, mon Pascal, je te fais un gros bisou. Oui, de même. Et puis à vous toutes et tous aussi. Ciao. À bientôt.